Ça fait ma deuxième que j'ai, je joue avec elle, elle est gentille, elle est agréable et tout. Voilà. Et comme je suis à la retraite, ça fait une compagnie. Je m'oblige à la promener un peu, deux, trois fois par jour, dans le casone ou ailleurs. Je l'ai trouvée, elle avait 18 mois. J'ai ouvert le coffre de ma voiture, je lui ai dit « Monte, je ne te promets pas la liberté, mais des bons soins en ville. » Et ça fait 8 ans que je suis avec Canaille. Le chat, en fait, on l'a trouvé au village de mon compagnon, Sarri d'Orchine. On l'a adopté il y a une dizaine d'années. Quant au chien, ça fait 6 mois, le voilà. Il a une histoire un peu particulière. En fait, c'était le chien d'un monsieur qui vivait dans la rue, qui est décédé brutalement et qu'on a recueilli à sa demande. C'est aussi un lien social puisqu'on arrive au casone et on se rencontre et on se donne rendez-vous avec tous les gens qui possèdent des animaux et des chiens en particulier. Donc ils se regroupent tous les matins pour promener leurs chiens et en même temps ils profitent de venir boire un petit café ici. Ils savent qu'on leur donne l'eau pour les chiens, qu'on les adore. Bonsoir, vous l'avez deviné, cette émission sera consacrée à la santé de nos animaux de compagnie. Mac d'ailleurs s'est invité ce soir sur notre plateau. Car de nombreux facteurs peuvent, vous le savez, anéantir la santé de nos compagnons à quatre pattes. Maladies, troubles du comportement. Pour préserver leur capital santé, quelle prévention, quels sont les soins qu'il faut leur apporter? Est-ce que la médecine vétérinaire a évolué? Nous faisons le point avec nos invités. Le docteur Lila Pagne, vétérinaire et diplômée en dermatologie. Le docteur Thierry Segalen, vétérinaire et diplômé en ophtalmologie. Alors la première question, toute simple. Sommes-nous de plus en plus attentifs à la santé et au bien-être de nos animaux? Que constatez-vous? On constate évidemment qu'il y a eu une évolution des mentalités importantes depuis quelques décennies et que les animaux sont bien sûr de plus en plus médicalisés. Et ça, ça procède d'un rapport affectif qui n'était peut-être pas aussi important il y a quelques temps. Vous avez des raisons à cet attachement à... Oui, je pense que tout part aussi d'un accès à la communication plus important, notamment avec Internet, les réseaux sociaux et puis la télévision. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de leur santé. Et puis, le cadre juridique aussi a évolué finalement. Et dans un souci du bien-être animal, je pense que... Voilà, les gens sont beaucoup plus attentifs à la santé de leurs animaux. Ils le sont aussi pour eux, donc par conséquent aussi pour leurs animaux. On constate aussi que les dépenses vétérinaires ont terriblement augmenté. On dit que 50% des propriétaires consacrent environ 500 euros par an à la santé de leur animal. Alors si on veut être, disons, un peu terre à terre, moi je dirais qu'un animal, disons, qui a une bonne prévention en matière de vaccination, de traitement antiparasitaire interne et externe, va peut-être coûter quelque chose comme 200 euros par an. Mais il faut ajouter à ces frais les soins, tous les soins annexes. Hein. Bon, pas annexes puisqu'il s'agit, il y a le post-alimentation, les frais de gardiennage, le toilettage. Et on arrive donc assez facilement à cette somme, à mon avis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la santé animale est devenue un enjeu de santé publique? Oui, oui, elle n'est pas devenue, elle l'a toujours été. Hein. Le vétérinaire qui saute et qui s'en va. Les hommes et les animaux partagent de nombreux agents pathogènes. Et les zoonoses, donc les maladies transmissibles entre les hommes et les animaux, sont très fréquentes. Et donc le rôle du vétérinaire est prépondérant au niveau de la santé publique. Ah ouais. Alors justement, quel est le rôle du vétérinaire? Je crois, pour juste continuer sur ça, actuellement, on sait que dans les 20 à 30 dernières années, les deux tiers des maladies émergentes qui sont apparues sont directement dues à des agents pathogènes d'origine animale, que ce soit par transmission alimentaire, comme la vache folle que tout le monde connaît, ou d'autres maladies, les encéphalites atiques et tout ce qui nous menace. Donc le vétérinaire est véritablement un agent central aux côtés des médecins, de la médecine humaine et également des biologistes. Est-ce que le vétérinaire va vers des spécialités aujourd'hui? Oui. Ou il reste simple médecin généraliste?
Il est évident qu'on a profité de tous les changements, de tous les progrès qui de jour en jour, de mois en mois, viennent de la médecine humaine. Et actuellement, donc, les technologies, les techniques de soins se sont terriblement développées depuis ces dernières années. Alors justement, on va le voir, examen, analyse, chirurgie, hospitalisation, traitement, on voit que ça prend de plus important. Et on voit aussi que la médecine vétérinaire évolue. Dans quel domaine évolue-t-elle le plus vite ? On a évidemment tous les examens complémentaires qui permettent d'améliorer les diagnostics, et ce qui a forcément des conséquences au niveau thérapeutique, que ce soit médical ou chirurgical. Et puis on utilise des technologies de pointe au jour d'aujourd'hui qu'on n'utilisait pas avant. Maintenant, on est capable d'opérer des chiens à cœur ouvert qui sont insuffisants cardiaques, de rendre la vue à des chiens atteints de la cataracte, de poser des prothèses de hanche à des chiens arthrosiques qui ne peuvent plus courir. Donc on commence à égaler le niveau de la médecine humaine. C'est juste le coût des dépenses qui nous ralentit, en fait. Eh ben, on va voir aussi que l'imagerie médicale s'est installée dans la médecine vétérinaire. Regardez, nous sommes rendus dans votre unité, justement, où vous possédez le premier scanner pour animal. Une chute, une piqûre d'insecte ou une vaccination, autant de risques auxquels ces petites bêtes à poils sont confrontées. Leur maître s'affole et pousse alors la porte d'un centre vétérinaire. Et c'est important de prendre soin de sa santé. Ah oui, oui, très important, on y fait attention. Vous l'emmenez souvent chez le vétérinaire, une à deux fois par an. On aurait pu prendre un chat, mais un chien, c'est superbe. Ça a tous les atouts vis-à-vis d'un homme. Il vous le rend bien, mais ça demande pas mal de choses en retour. Quand on prend un animal, on doit s'en occuper, comme on dit, pour le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Il faut assumer dans les deux cas, toujours, toujours. Alto, 5 ans, souffre de problèmes digestifs. Il va subir une batterie d'examens et d'analyses. Les résultats tombent. 10 minutes après, on a les résultats, puisqu'on a notre laboratoire sur place. On s'est assuré donc qu'il n'y avait pas de problème métabolique chez Alto. Et donc on va pouvoir mettre en place maintenant un traitement, on va dire, symptomatique pour arrêter ses vomissements et pour arrêter l'inflammation de son intestin. Donc il n'y a ni problème de rein, ni problème de foie, ni signe d'inflammation. Donc on est rassuré et on va pouvoir aller rassurer les propriétaires. Je pense que c'est vraiment quelque chose de passager avec une petite sensibilité qu'on va arriver à régler avec l'alimentation spécifique et les antivomitifs. D'accord, merci. Ce centre est doté d'un service d'imagerie médicale, scanner, radiologie, échographie, tous destinés aux chiens et chats. On a une grosse tumeur, une tumeur du côlon avec la graisse péritonéale qui est très enflammée et puis des ganglions qui sont bien visibles. Donc on va cytoponctionner et les faire lire à Émilie. D'accord, je vais joindre la propriétaire, voir si elle est d'accord pour engager encore ce genre d'analyse. Ouais. Alors la possibilité, c'est de faire une cytoponction, donc avec une aiguille, de ponctionner quelques cellules de la tumeur, de les analyser, de savoir un petit peu quel type de tumeur on a à faire et savoir si ça peut répondre à une chimiothérapie ou pas. Marie, tu veux bien me tenir les pattes comme ça, s'il te plaît ? Merci. Donc, c'est un chien qui a eu un accident de voiture mercredi dernier à Corté, qui nous a été référé donc par un confrère pour faire un scanner pour savoir quel était le problème au niveau du dos parce qu'il est partiellement paralysé. C'est un examen, un scanner qui vaut entre 290 et 350 euros, donc c'est un budget important. Notre rôle, c'est de leur proposer tous les examens qui existent pour qu'ils puissent prendre la décision pour soigner au mieux leur chien en fonction de leur budget. Donc c'est-à-dire que moi, il y a un animal qui arrive et qui est plus capable de marcher, je dis voilà, il y a une possibilité de savoir ce qu'il y a exactement pour derrière peut-être envisager une chirurgie et avoir plus de chances de le guérir, mais ça va vous coûter tant. Et si pour vous c'est pas possible, à ce moment-là, on a la possibilité d'attendre de voir ce qui se passe, parce qu'on peut espérer par exemple à un œdème ou à un hématome, et là ça coûtera beaucoup moins cher. Maintenant je donne aussi des pronostics, c'est-à-dire je vous dis, si vous passez par le scanner avec l'opération derrière, peut-être qu'on aura 80% de chance de guérir votre animal. Si par contre on attend, peut-être qu'on n'en aura que 20%. L'orthopédie est aussi au cœur de l'activité de la médecine vétérinaire. Ici, on traite les maladies de l'appareil locomoteur, os, articulations, muscles, tendons et ligaments chez nos animaux de compagnie. Donc c'est une chirurgie qui se fait en deux temps. Dans la première partie de la chirurgie, on va explorer l'articulation.
c'est-à-dire chercher le ligament croisé abîmé et chercher les ménisques abîmés s'ils sont abîmés. Et puis, une fois qu'on a refermé l'articulation, c'est là qu'il y a une particularité chez le chien. On va plutôt changer la forme du genou afin de retrouver un genou qui n'a plus besoin de ligament croisé pour marcher, alors que chez l'homme, c'est vrai qu'on répare le ligament croisé. Mais chez le chien, ça donne de mauvais résultats. Alors, il y a un chirurgien américain qui a inventé une technique particulière. C'est celle qu'on a fait aujourd'hui. Ça s'appelle la TPLO, où on va scier l'os avec une scie demi-lune. Et puis, on va calculer sur la radio, on va prendre des mesures sur le tibia du chien pour avoir à la fin un genou qui n'a plus besoin de ses ligaments croisés pour marcher. Donc, c'est un petit peu long. Ça nécessite une plaque vissée et anatomique, moulée à la forme du genou du chien, qui sont commandées spécifiquement pour les chiens de cette taille-là. Et puis, on les visse. Et après fermeture, le chien, en principe, eh bien, il peut se resservir de sa patte dans la première semaine, déjà. Et puis, dans le premier mois, il va remarcher assez correctement. Et au bout de 2 mois, il ne boitera plus. Alors, chez le chat, ça se produit, mais le chat n'a pas la même forme du genou. Et donc, c'est uniquement des ruptures, comme chez l'homme, traumatiques. C'est-à-dire quand on a pris un coup violent, que le chat est tombé du 6e étage, que le chat a pris un très mauvais appui ou a rencontré une voiture, et bien dans ce cas, il va pouvoir se rompre les ligaments croisés également. Mais on va le résoudre, comme chez l'homme, chez le chat, par une ligamentoplastie, c'est-à-dire reproduire un ligament artificiel qui va mimer la fonction du ligament naturel. Chez le chien, cette opération aura duré 2h30. Chez le chat, une demi-heure suffit. Cette opération-là, on doit en faire une 20aine par an, mais de la chirurgie traumatique, c'est-à-dire des plaques vissées sur des fractures, des plaies dues aux accidents de la voie publique, hein, parce que c'est très fréquent avec la divagation des chiens, eh bien, on doit en faire 8 ou 9 par semaine d'opérations de ce type-là. À cela se rajoutent les opérations qu'on peut faire désormais grâce au scanner, c'est-à-dire opérer les hernies discales, opérer les fractures vertébrales. Donc, on a un centre chirurgical maintenant qui est dédié vraiment à ça et on en fait très fréquemment. C'est devenu notre quotidien. On a vu que cette médecine a un coût, 1100 euros pour une opération chirurgicale, 250-300 pour le scanner. Comment réagissent les maîtres ? Le rapport affectif, déjà, au départ, est là. Et ils vont tout faire pour s'acquitter du coût des soins. Maintenant, bon, il faut dire une chose, c'est que de plus en plus d'animaux bénéficient d'une assurance. Et ça, c'est quelque chose que tous les vétérinaires, à mon avis, encouragent. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de dépenser plus de 500 euros par an pour un animal. Oui, je pense que les personnes sont tellement dans l'affectif que quand elles adoptent un animal, elles n'imaginent pas que les dépenses puissent s'accumuler. Et il faut vraiment que l'on communique sur la prise de mutuelle, c'est très important. Plus on a un chien qui est grand, et plus ça va coûter cher. Alors on voit que grâce à ces appareils, vous arrivez à détecter des tumeurs, des maladies, voire même à sauver nos bêtes à poils. Ah oui, est-ce que c'est très efficace et dans quel cas ? On utilise les examens. Est-ce que systématiquement, comme cela se passe pour l'être humain, on fait faire un scanner ou est-ce que vous ciblez l'utilisation de ces outils ? Non, de toute façon, il y a une démarche diagnostique. On fait l'examen qui nous semble nécessaire et puis il y a forcément un protocole. Hein. On ne va pas d'emblée faire un scanner sur un chien qui boite. Hein, ça, c'est évident. Mais il est certain que de plus en plus, on veut savoir, on veut avoir un diagnostic précis et lorsqu'on a un traitement qui est un peu insuffisant ou lorsqu'on a des doutes, ce sont des examens qui sont proposés. Alors, comment savoir que notre chat ou notre chien souffre, qu'ils ont mal ? C'est difficile pour nous. Oui, puisque il est très rare, par exemple, si on prend le cas du chat, qu'il miaule ou qu'il émette des plaintes. Donc, il aura plutôt tendance, en fait, à se cacher, à se montrer discret vis-à-vis d'éventuels prédateurs. C'était un comportement autrefois qui lui était très utile, mais aujourd'hui, il lui est plutôt préjudiciable. Donc, il faut avant tout repérer tout comportement inhabituel. Après, au-delà de ça, on attachera de l'importance aux selles, aux urines, aux oreilles, aux yeux, à la température corporelle
Et surtout, il faut oublier la légende urbaine de la truffe. Et pour le chien ? Ben pour le chien, c'est pas très différent, mais c'est quand même souvent plus facile, parce qu'un chien manifestera beaucoup plus facilement donc son mal-être ou sa souffrance. Les signes de bon état général, c'est le dynamisme, l'appétit, l'aspect du poil, l'aspect des selles, etc. Mais on peut facilement passer à côté, par exemple, si on s'inquiète pas d'un animal qui s'est mis à boire beaucoup plus qu'avant, par exemple. Alors, quelles sont les maladies du chat et les maladies du chien ? Elles sont très différentes ou il y a des similitudes ? Non, il y a quand même des dominantes pathologiques hein, qui sont propres à chaque espèce animale. Par exemple, en ce qui concerne le chien, les maladies infectieuses jouent un rôle vraiment central. Hein. Les maladies les plus fréquentes auxquelles on est confronté, c'est la parvovirose, que les gens connaissent sous le nom de gastro-entérite hémorragique virale. La leishmaniose, si fréquente ici. Et puis, bien sûr, la leptospirose, qui a une incidence sur la santé humaine. Et chez les chats ? Chez les chats, toujours les maladies infectieuses, parasitaires. Et puis, on aura tout ce qui est gastro-entérite, les maladies urinaires, les maladies rénales chroniques chez les chats seniors. Et puis, malheureusement, des fois, les maladies cancéreuses, les maladies cardiaques. Alors, justement, il y a aussi des problèmes d'articulation, de motricité. Que faire dans ces cas-là ? Eh bien, certains poussent la porte de l'ostéopathe. Regardez. Bonjour, comment ça va ? Bien, et vous ? Coucou, Havana ! Alors, Havana, elle a 5 ans. Je l'ai récupérée dans un refuge. Et depuis, c'est mon meilleur compagnon. Et voilà, je suis très attentive à ce qui ne va pas. Mon chien présente des difficultés à se déplacer. Elle est un petit peu raide. Ça fait environ 2 semaines depuis qu'elle a fait une grosse course avec un copain sur la plage. Et voilà, du coup, je voudrais un petit peu la soulager parce que je vois bien qu'elle est douloureuse. Donc en fait, Havana présente un très bon examen général. On a fait un bilan radiographique qui ne révèle aucune lésion. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu triste, que sa démarche est un petit peu raide. Et donc, on a décidé de faire appel à Lucille Ducré, ostéopathe animalier, pour la rebooster un petit peu. Aujourd'hui, comme c'est médiatisé beaucoup et que les vétérinaires font appel à nous et vice-versa, nous aussi, on fait appel aux vétérinaires. Les gens, de plus en plus, ils se rendent compte que c'est plus bénéfique sur le long terme, qu'on arrive à des meilleurs résultats et plus rapidement. Donc... à un moment donné, je pense que c'était devenu un phénomène de mode parce que les gens ils comprenaient pas trop ce que c'était, ça paraissait mystique. Alors qu'au final, maintenant c'est vraiment couramment utilisé. Les gens ils font appel maintenant, même en préventif. Et c'est peut-être même parfois un problème parce qu'on leur dit non, là faudrait passer d'abord chez le vétérinaire, faire les choses dans l'ordre. Il faut vraiment que chacun reste à sa place. C'est complémentaire. Tout est lié, en fait. Donc, si j'ai un organe malade, cet organe, il a les liens métamériques au niveau du dos. Et donc, quand l'organe il est malade, la chaîne dorsale, elle se fige, et c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, si je fais que libérer le dos, et qu'on ne soigne pas l'organe, ça va revenir, et vice-versa. Quelle est la place de l'ostéopathie dans les pathologies des chiens ? L'ostéopathie est une médecine complémentaire à l'allopathie. C'est vraiment comme ça qu'il faut la voir. Et elle est curative, mais elle est le plus souvent préventive. Donc, elle intervient... On peut la faire intervenir lors de boiteries, mais aussi lors de troubles digestifs, lors de troubles de la reproduction, lors de la croissance. Oui. Vous êtes pour l'ostéopathie ? Je pense que c'est quelque chose qui se développe et qui est appelé à se développer, dont on ne voit pas forcément des résultats immédiats ou probants d'emblée, enfin en ce qui concerne notre cas. Il y a aussi la physiothérapie qu'il ne faut pas éluder, qui a tout son sens dans les récupérations, notamment les récupérations chirurgicales des animaux polytraumatisés. Et ça fait partie de toutes ces médecines complémentaires qui accompagnent l'animal après des soins. Alors, autre médecine complémentaire, si je puis dire, c'est la dermatologie. Les animaux me surprennent un petit peu. On va regarder ce sujet sur la dermatologie. Coucou, Ben. Bonjour, ma petite beauté. Bonjour.
Alors, je vous écoute. Alors, je viens parce qu'elle a commencé à avoir des plaques au niveau des oreilles fin décembre. D'accord. Qui ont commencé à se remettre tout doucement et à cicatriser. Mais du coup, j'ai des plaques au niveau du ventre et des pattes qui commencent. Et depuis ce week-end, elle perd ses poils au niveau des pattes avant. Dans 90% des cas, c'est la salive de puce qui est à l'origine de ces lésions. Ça peut être également de l'allergie alimentaire, de la dermatite atopique féline. Là, en l'occurrence, on pourrait y penser. Et puis, il faut toujours écarter toutes les dermatoses parasitaires, donc les pulicoses, les dermatophytoses, plus connues sous le nom de teigne. Très souvent, on entend parler de la teigne, et bien voilà. Et puis, dans certains cas, mais c'est des rares cas, c'est souvent surdiagnostiqué, ça peut être d'origine comportementale. Déjà, en tout premier lieu, il faut exclure une otite, parce que pourquoi le chat irait se gratter, comme par hasard, les deux oreilles? Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'exclure un problème au niveau des méas auriculaires. Donc là, on a un méa auriculaire magnifique. Donc, le problème est essentiellement, vraiment, face externe des pavillons auriculaires. On est vraiment sur un problème d'origine allergique. Donc, il y a de fortes chances que ce soit une dermatite atopique féline. Donc, en gros, la dermatite atopique féline, c'est une prédisposition à être allergique à plein de choses. C'est très difficile de juger. Quelles sont les maladies de peau du chat et du chien ? Elles sont nombreuses. On pourra les principales, disons. On pourra citer les maladies infectieuses, donc les infections bactériennes, virales, parasitaires, fongiques, les allergies comme la dermatite allergique aux piqûres de puces, la dermatite atopique, les hypersensibilités alimentaires. On pourra citer également les états kératoséboréiques, donc les peaux grasses avec aussi bien pour le chat que le chien. Aussi bien pour le chat. Ce sont les mêmes maladies. Tout à fait. On aura également des maladies hormonales, des dermatoses génétiques, donc propres à la race, et puis des maladies auto-immunes et des maladies cancéreuses. Alors vous êtes diplômée en ophtalmologie. Quelles sont les maladies oculaires de nos animaux de compagnie? Des maladies oculaires, évidemment, il y en a plein. Alors s'il fallait choisir, surtout par rapport à ce qu'on peut faire maintenant et qu'on faisait moins bien ou très peu il y a encore peut-être une dizaine d'années, il y a la chirurgie de la cataracte qui s'est vraiment développée, puisque une cataracte qui survient sur un animal relativement jeune, une cataracte juvénile, c'est véritablement un handicap très important, alors qu'une cataracte qui va s'installer sur un animal vieillissant va être probablement beaucoup mieux supportée. Il y a également une grosse avancée en matière de traitement des ulcérations de la cornée, c'est-à-dire des cornées qui sont très très abîmées, puisque maintenant on a de très bons résultats avec des greffes de cornée. Et puis il y a toujours ce qui nous pose problème et qui va peut-être un jour trouver une solution, c'est le traitement chirurgical des glaucomes qui chez le chien pose beaucoup beaucoup de problèmes. Mais là encore, ça fait partie des affections sur lesquelles on travaille beaucoup. Alors parmi les maux dont souffrent nos compagnons, ce sont les troubles du comportement. Quels sont les troubles du comportement chez le chat et chez le chien? Est-ce qu'ils ont les mêmes troubles? Non. Non, parce que chez le chien, c'est on a un trouble auquel beaucoup de gens a été confronté ou est confronté, c'est véritablement ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que on fait l'acquisition d'un chiot, ce chiot, il devient rapidement très très dépendant de ses propriétaires, et puis on peut pas le laisser seul, sinon il est malheureux, il fait ses besoins partout, il fait des destructions, il vocalise. Et à ce moment-là, donc, il faut souvent faire appel à un comportementaliste. Et chez le chat, quels sont les troubles du comportement? Chez le chat, on aura surtout de l'anxiété, de la dépression, des activités de substitution, c'est-à-dire que le chat est tellement anxieux. Là, on le voyait dans le reportage sur la dermatologie, c'est vrai que le chat peut se lécher de manière très intensive lorsqu'il est très anxieux. Et la chose très importante à savoir, c'est que 70% des chats avec des troubles du comportement, l'origine se trouve dans le fait qu'ils vivent en appartement.
Donc, sortez vos chats par pitié. Alors, comment les soigner? Souvent, on fait appel à un vétérinaire comportementaliste qui propose des thérapies adaptées. Une de nos équipes a suivi une éducation canine. Regardez. Aujourd'hui, la brigade cynophile vient faire un bilan personnalisé chez Véronique. Son chien est agressif et a même mordu le facteur. Dans des situations de stress du chien, je n'ai plus aucun impact sur lui, c'est-à-dire je peux le rappeler, il ne va pas m'écouter, il va même m'éviter pour pouvoir continuer à jouer son rôle. Et que ce soit à l'extérieur comme à la maison, j'ai besoin de pouvoir avoir du contrôle sur le chien, c'est hyper important. On se met où du coup? On va s'installer là-bas? Ouais, allez. Gaëlle va maintenant s'entretenir pendant plus d'une heure avec Véronique. Et les questions vont porter sur le quotidien de la maison, mais aussi remonter à l'origine. Vous l'avez récupéré où? Alors, il vient d'un élevage. Ouais. À Montpellier. Ouais, sur le continent. Ouais. À quel âge vous l'avez pris? 2 mois. 2 mois et demi. Avec nous. L'entretien avec avance et Jovan est toujours sur le qui-vive. Très méfiant. Chaque fois s'il finit par s'asseoir, okay, le moindre bruit le fait réagir. Le voyage, comment ça s'est passé? Gaëlle va très vite comprendre que le chien souffre d'un problème de sociabilité primaire, doublé d'un souci de hiérarchie et de gestion du territoire. Bref, il va falloir revoir toutes les habitudes de la maisonnée. Le problème, bien souvent, 3/4 du temps, ça vient des propriétaires. Il faut qu'ils en prennent conscience. S'ils n'en prennent pas conscience, ils ne seront pas capables de changer et de faire ce qu'il faut pour régler les soucis. Moi, je ne suis pas magicienne, c'est eux qui vont régler les problèmes, ce n'est pas moi. Moi, je leur explique comment faire. Voilà, donc après, oui, forcément, il y a souvent des gens qui vont mal le prendre. Non, j'ai jamais eu de personnes qui ont mal pris la chose, mais qui prennent un coup, qui prennent une claque, oui, régulièrement. À l'aide de nourriture, Gaëlle va faire un petit test. Donc, il faut savoir qu'un chien qui a vraiment peur, qui est vraiment terrorisé, ne mange pas. Elle n'interviendra directement sur l'animal qu'après une période de 15 jours durant lesquelles la famille aura suivi les règles établies. Effectivement, il n'est pas à l'aise. La situation, il n'est pas à l'aise. Il ne connaît pas, c'est inconnu, donc je préfère l'éviter, la situation. C'est ce qu'il fait, hein. C'est-à-dire que voilà, j'évite la situation. Je vais avancer sur lui, il va partir, tout simplement. Ça va ? Et des chiens asociaux, Gaëlle en gère quelques-uns. Celui de Christian était agressif avec l'ensemble de ses congénères. C'est bizarre. Bon, ça a été cette semaine ? Très bien. Ouais ? Très très bien. Impeccable. Bon, on y va, tu le prépares ? Après 2 mois de suivi, il est capable de se balader parmi les autres chiens à l'occasion d'un des cours collectifs d'obéissance dispensés par Gaël et son équipe. Regarde, tous ces chiens sont gentils. À quel moment on se dit « c'est bon, on va pouvoir le mettre au milieu des autres chiens » ? Alors ça, ça va être moi en fait. Je vais à partir d'un moment lire un truc sur le chien qui va me dire « ok, là c'est bon, je sais que ça, il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. » Donc je peux tenter, commencer à tenter. Après, ça se fait par dosage. Je choisis les chiens au départ, c'est sous contrôle. Voilà. Éducateur canin comportementaliste, c'est 5 mois de formation. Vu que le chien ne comprend que par association, le but c'est d'associer le comportement à quelque chose d'agréable. Et le chien est un animal d'habitude, il va répéter le comportement. Donc ça, vous le savez tous. Donc, le bilan personnalisé est facturé 70 euros et les cours particuliers à domicile 50 euros. Il faut en compter 3 en moyenne pour un résultat. Et oui, lui aussi est sociable, mais seulement hors caméra. Il arrive que vous vous trouviez dans des situations d'échec. Situation d'échec, non, en fait. Après, il y a des situations qui n'aboutissent pas à 100%, parce que y a un propriétaire qui baisse les bras, donc qui n'a pas la patience ou le temps. Mais d'échec, non. Et ce jour-là, c'est une grande première pour Véronique et Jovan. Il va demander à tout le monde de donner un petit morceau, simplement, ouais. Une petite récompense. Okay. Il ne lui parle pas, il ne se penche pas, il ne tente pas de le caresser. Ouais. Hein, d'accord, parce que voilà, ça ne lui plaît pas, il recule, pas de souci. Simplement, une personne lambda arrive, bonjour, hop, donne, merci, au revoir, c'est tout. Okay. D'accord. On ne l'accule pas, on ne le force pas, on ne le contraint pas, on lui montre juste que les mains de tout le monde. Ouais. Ça peut être sympa. D'accord. D'accord. Allez, vas-y. Allez. Tu demandes à tout le monde. Un essai grandeur nature pour s'habituer aux humains. Elle fait du racolage pour le coup, désolée. Hein.
Ces thérapies sont-elles efficaces et doivent-elles nécessiter l'implication du propriétaire ? Eh oui, c'est un travail de tous les jours. C'est comme l'éducation d'un enfant. C'est tous les jours, en permanence, qu'il faut reprendre l'animal et le corriger. Est-ce qu'il y a d'autres traitements pour parer aux troubles du comportement de notre animal ? Il est évident que la différence entre un comportementaliste et un vétérinaire comportementaliste, c'est que le vétérinaire comportementaliste a tout un arsenal de médicaments à sa disposition. Alors, bien sûr, dans des petites pathologies, ça n'aura pas beaucoup d'importance, mais lorsqu'il s'agit de sociopathie importante, ça permettra véritablement au chien, au niveau de son comportement, de s'améliorer beaucoup plus vite s'il reçoit déjà un traitement médical. Une sociopathie, par exemple, c'est un animal qui peut aller jusqu'à l'automutilation. Donc là, effectivement, les anxiolytiques sont indispensables. Alors, on se rend compte que nous ne savons pas communiquer avec nos animaux pour essayer de bien les comprendre, pour mieux les soigner. C'est difficile de décoder leur langage. Nous allons aller voir un vétérinaire comportementaliste, justement, Valérie Dramat, qui va nous donner quelques traductions, justement. Les animaux domestiques communiquent par quatre moyens de communication. Le canal visuel, le canal auditif, le canal olfactif, et puis aussi, on va dire, la proprioception, c'est-à-dire par le corps. Donc, entre eux, ils communiquent comme ça, mais avec nous, il y a surtout deux canaux qui sont prioritaires. C'est le canal visuel, donc notamment par les mimiques faciales, le port des oreilles, les yeux, etc. Mais aussi la posture et les mouvements. Donc ça, c'est le canal visuel. Puis le canal auditif, avec les vocalises, les différentes vocalises. Un chien qui a les oreilles plutôt vers l'arrière, plutôt plaqué, il est plutôt apaisé. Alors après, il faut voir les autres signaux, mais c'est plutôt apaisé. En revanche, si c'est très très plaqué, ça peut être de la peur. Si c'est vers l'avant, ça veut dire qu'il est intéressé. Alors soit il est curieux, donc ça veut dire qu'il est concentré sur quelque chose, soit il est dans l'agressivité, soit encore il peut provoquer au jeu, c'est-à-dire il est concentré sur le jeu. Et il est, voilà. Donc le port des oreilles indique quelque chose, mais il faut le mettre en rapport avec le reste. Chez le chat, on a le port des oreilles qui est très important. Par exemple, là il a les oreilles pointées vers l'avant, ça veut dire qu'il est concentré vers quelque chose à l'avant. Mais si jamais il avait les oreilles à l'horizontale, comme ça on va dire, ou à l'arrière, là ça veut dire je suis pas content, j'ai peur, ou alors je suis très en colère. Il y a le regard. Alors chez le chien, c'est moins clair que chez le chat, toutefois, y a des chiens, il y a des mimiques faciales et il y a des chiens, quand ils sont contents, ils sourient, ils ont le regard apaisé, etc. Quand ils sont contrariés, il y a comme des rides ici, hein. C'est-à-dire ils ont les yeux comme ça. Et quand ils ont peur ou quand ils sont très en colère, ils ont carrément les yeux exorbités et là on se rend compte que vraiment ils sont hors d'eux, quoi. Chez le chat, il y a la dilatation des pupilles. C'est-à-dire que, évidemment, ça dépend de la luminosité, mais un chat qui est content, il a les pupilles rétrécies, donc il a la fente verticale, et puis, voilà, il est apaisé. Un chat qui a très très peur, à ce moment-là, son œil devient noir tellement sa pupille est dilatée. Ça fait un gros rond noir, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il a très peur ou il est très en colère. Alors la queue, alors, chez le chien et chez le chat, c'est très différent. Pour ceux qui connaissent les chiens, ils savent très bien que quand un chien remue la queue, c'est que généralement il est content. Content ou excité, mais généralement il est content. Donc un chien qui remue la queue, il est content. S'il la remue un peu vers le bas, c'est qu'il dit bonjour et qu'il accueille, il est content de dire bonjour. S'il a la queue complètement sous le ventre, alors là c'est qu'il a peur. Et s'il a la queue très dressée comme ça, rigide, voire le poil hérissé, ça veut dire qu'il est dans l'attaque, il est vraiment sur le qui-vive. Un chat qui remue la queue, il n'est pas content, il est contrarié, alors qu'un chien, on a vu que c'était, qu'il était content. Donc un chat, quand il est content, par exemple, il a la queue levée, verticale. Quand il a la queue plaquée sous le ventre, comme le chien, ça veut dire qu'il a peur et qu'il n'est pas bien. Les aboiements, les vocalises chez le chien, elles sont très diverses, modulées en fonction de son état. Alors il peut y avoir des jappements simplement d'appel, waf waf par exemple, qui sont, ils appellent l'attention ou ils veulent jouer par exemple. Puis ça peut être des aboiements plus menaçants. Par exemple, le chien à la clôture
qui va aboyer, grogner en même temps, et on se rend bien compte qu'il ne faut pas franchir la clôture, sinon on va se retrouver avec une morsure aux fesses. Et puis il y a d'échappements, mais plutôt d'échappements des plaintes, un peu d'angoisse, voire des hurlements au loup, pour certains chiens par exemple qui ne supportent pas d'être seuls, qui vont faire comme ça pour rappeler leur maître. Tous les chats ne miaulent pas de la même façon, il y en a qui miaulent beaucoup, qui sont vraiment très bavards comme on dit, et puis il y en a d'autres qui miaulent un peu moins. Mais leurs miaulements peuvent être très variés, il y a des miaulements d'appel par exemple pour aller boire au robinet, et puis réclamer à manger. Puis il y a des miaulements rauques quand ils angoissent par exemple, ou alors quand ils vont agresser, alors là ça, on parle de feulement, ou alors là c'est des miaulements graves, très sonores, qui sont très menaçants. Voilà, là ils miaulent de façon pas contente, lâche-moi, j'aimerais aller manger. Je peux le lâcher, oui, oui. C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est important de savoir décoder le langage de nos animaux, du chat, du chien, et le fait de savoir interpréter leur attitude, est-ce que ça permet de renforcer avec eux notre complicité, c'est-à-dire de mieux les comprendre et alors de mieux les soigner et les aimer? Bien évidemment, si on veut être attentif au bien-être de notre animal, il est impératif de se renseigner sur tous ces codes de communication. Oui. Alors vous évoquez le bien-être et la santé de nos animaux, mais on a oublié de quelque chose, savoir si le nombre de cancers chez nos animaux est en augmentation, d'une part, et quel est le taux de décès chez nos chiens et chez nos chats? Alors on a malheureusement, comme dans l'espèce humaine, une forte augmentation du pourcentage de cancers chez nos chiens et chez nos chats. Alors, il y a probablement deux causes. La première, c'est qu'on arrive à les diagnostiquer beaucoup plus tôt qu'avant. Et la deuxième, c'est qu'il y a des facteurs d'environnement qui, évidemment, avec un environnement qui se dégrade, qui de plus en plus interviennent, notamment en ce qui concerne les lymphomes, sur les cancers de nos animaux, surtout les chiens et aussi les chats. Donc là, il faut que la prévention arrive dès le départ, dès les premiers soins, pour éviter toutes ces pathologies. Alors, il est évident qu'un animal qui sera bien médicalisé, sur lequel une prévention efficace sera faite en matière de vaccination, en matière d'antiparasitaire, en matière surtout d'hygiène alimentaire, on peut penser que c'est un animal qui aura peut-être plus de chances qu'un autre. Est-ce qu'on est plus chien ou plus chat en Corse? Est-ce qu'on est... Qu'est-ce qui augmente? Ouais. Est-ce le nombre de chiens adoptés? Moi, je dirais que depuis une dizaine d'années, la tendance est inversée. Dans notre clientèle, on voit plus de chats que de chiens. 60-40, je pense. 60-40, ouais. Oui. En tout cas... Donc, c'est nouveau, ça. Oui. Nous sommes tous les deux des vétérinaires urbains. Donc, il faudrait voir ce que nos confrères ruraux en pensent. Ouais. Mais oui. Mais il y a une explication à cela? Le chat soigne et attire. De plus en plus. Justement. Et puis, le chien a beaucoup moins de contraintes. Le chat a beaucoup moins de contraintes que le chien, pardon. Moi, je pense que le côté contrainte aussi, il fait beaucoup. Parce que, bon, on veut pouvoir s'absenter le week-end. Avec un chien, c'est pas forcément facile. On veut avoir un animal relativement indépendant. On a beaucoup d'animaux qui vivent en appartement. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de vivre avec un chat. Alors, quelle est la notion d'attachement? La notion d'attachement est-elle très développée entre le maître et son animal? De plus en plus, hein. De plus en plus, et pour rejoindre un petit peu les troubles du comportement dont on parlait tout à l'heure, effectivement, on retrouve de plus en plus de l'hyper-anxiété, de séparation. C'est-à-dire que le chien ne supporte plus d'être séparé de son maître, tellement le maître ne veut pas couper le cordon. Alors justement, nous allons nous rendre chez un couple de musiciens. Ils ont trois chats. Et vous allez voir qu'entre les maîtres et leurs animaux, c'est l'entente parfaite. Jean-Claude et Angélique Nachon ont deux passions, la musique et leurs trois chiens. Et ces deux passions vont souvent de pair. Il ne donne pas d'influence sur la mélodie. En tout cas, il donne une,
une sérénité. Il nous apaise, parce que quand on est sur un film, on est forcément extrêmement stressé. Et le fait de les avoir, c'est vraiment extrêmement apaisant. Avant le travail, pendant le travail et après, quand on se retrouve après avoir terminé le travail, ils sont à côté de nous et ils nous lâchent pas. Généralement, ils sont tous les trois sur Angélique et c'est vraiment extrêmement apaisant. Oh oui, on est à Paris. Nous avons une amie qui ne va pas bien et elle vient. Elle vient chez nous. Et au début, elle est interpellée par les chiens parce qu'elle voudrait les accueillir, mais elle ne sait pas. Elle a toujours eu des gros chiens, elle n'a pas l'habitude des petits chiens. Les petits chiens, aussi câlins que ça, elle ne savait pas. Et cette personne était sous traitement médical, donc petit à petit, les chiens lui ont fait quitter les médicaments. À tel point qu'elle me dit, crois-tu que je pourrais avoir un chien moi aussi? Je n'ai jamais eu d'enfant, je ne saurais pas m'en occuper, on dirait des enfants. Je dis, écoute... Prends le même type de chien et tu vas voir. Elle commande le chien, elle a son chien, elle s'appelle Lola, elle ne la quitte plus. Et les gens avec qui nous travaillons, s'ils ne sont pas accueillis par nos chiens, je suis inquiète. Et si le metteur en scène ou l'acteur qui vient ici refuse le chien, le rejette, il ne travaillera pas avec nous. Et comme leur maître, Blue, Ia et Tu ont leur terrain de jeu. La musique, le ballon et la course constituent leur quotidien. Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou. Alors, est-ce que l'animal absorbe non seulement la personnalité de son maître, mais également ses émotions ? Oui, ils sont d'une part dans un mimétisme absolu et d'autre part, ce sont de véritables éponges émotionnelles. Ils nous apaisent, ils nous relaxent et effectivement, ils absorbent toutes nos ondes négatives et chassent toutes nos idées noires. Pour les chats et les chiens, pareil. Pour les chats et pour les chiens, après... La même attitude. Le chat a quand même un petit truc en plus, il ronronne. Et c'est vrai que quand il ronronne... Serait-il plus affectueux ? Non, mais en tout cas, il nous permet de sécréter des endorphines, c'est l'hormone du bien-être, et c'est vrai que pour ça, il nous soigne beaucoup. Ouais. Il nous soigne. Mais on a fait des expériences sur les chiens, et on s'est aperçu qu'un regard bienveillant porté par son maître sur son chien provoque une sécrétion d'ocytocine, donc qui apaise, et inversement. Donc il y a véritablement un rapport excessivement étroit, et qui va... au-delà, de toute façon, du simple bien-être. C'est quelque chose de très, très important. Alors, vous vouliez dire quelque chose ? Le chien nous permet aussi de rester actif. Et donc, il a été prouvé qu'il diminue le risque d'hypertension artérielle et d'infarctus. Ouais. Alors, d'où la nécessité d'adopter un animal de compagnie, mais où les adopter ? Eh bien, nous allons voir. Ces deux chats sont arrivés ce matin à l'animalerie. Il faudra débourser 1190 euros pour acquérir un de ces deux chihuahuas. Mais avant cela, un dernier bilan de santé les attend. Alors, le vétérinaire de l'éleveuse les a contrôlés avant de les envoyer. Ils ont eu leur première vaccination, ils ont été vermifugés et ils ont été contrôlés par rapport à leur état de santé. Là, on va les emmener chez le vétérinaire pour un deuxième contrôle de santé, savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de maladie éventuelle, s'ils sont aptes à être vendus. Le futur propriétaire se voit remettre un kit alimentaire et le carnet de santé de l'animal après avoir signé le contrat de vente. Ici, on n'achète pas, on adopte. La société protectrice des animaux permet d'entamer les démarches en un clic. En général, les futurs adoptants trouvent nos annonces sur notre site Facebook, SPA Délégation Corse, et ils nous contactent soit en message privé, soit par téléphone, soit par mail. Et en fait, on leur fait remplir un formulaire de préadoption, comme ça. Ce formulaire établi, la SPA valide le nouveau lieu de vie de l'animal et conduit l'adoptant vers une des 5 pensions agréées. Les futurs adoptants viennent ici pour voir les animaux, pour savoir lequel ils vont éventuellement récupérer. Carmen vient justement finaliser son adoption. Pour recueillir Mocha, une contribution financière est demandée, entre 90 et 200 euros selon l'adoption. En 2016, 170 chats et chiens ont trouvé un nouveau foyer. Alors, est-ce qu'on adopte aujourd'hui de plus en plus ? Et quelles sont les structures
qui sont les plus habilités, je dirais, à nous offrir un animal en bonne santé. Vous parlez de l'adoption ou de l'achat éventuel d'un animal? De l'adoption ou... et de l'achat, ouais. Les deux. Bon. Et c'est... comment voir si notre animal est en bonne santé lorsqu'on l'achète ou lorsqu'on va le chercher? Oui. Bah, de toute façon, c'est, au départ, c'est deux attitudes très très différentes. Hein. Adopter un animal et acheter un animal, ça n'a rien à voir. Adopter un animal, c'est généralement, ça part d'un très très bon sentiment. Il faut bien évidemment féliciter toutes les familles d'accueil qui représentent de plus en plus une sorte de remède à la faillite des institutions qui sont incapables de nous offrir des fourrières et des refuges tels qu'on serait en droit d'attendre, que l'on serait en droit d'attendre. Et ça part véritablement d'un bon sentiment. Le problème qu'on peut soulever, c'est que généralement, souvent, lorsqu'il s'agit d'un animal qui a déjà un certain âge, un vécu qu'on ne connaît pas, on peut quand même avoir quelquefois des déboires. Mais quelquefois, on tombe très très bien. Hein. Regarde ton chien, par exemple. Mac est un bel exemple, d'ailleurs. Ouais. C'est un Mac chien que vous avez récupéré. Ouais. Ouais. Là, c'était un chien errant que vous avez récupéré sur la route. Il a été trouvé sur le bord d'une route à Bastia. Il a été transféré à la SPA d'Ajaccio. Et il m'a été confié pour les soins. Ouais. Et... voilà, je l'ai fait adopter à mes beaux-parents. Ouais. Moi, je pense qu'on peut être très admiratif du travail que font les associations, parce que vraiment, c'est des bénévoles qui se démènent toute la journée. Par contre, si au départ, on est fixé sur un animal qui aura un certain standard, dont on voudra faire l'éducation, c'est-à-dire un animal de 2, 3, peut-être 4 mois, à ce moment-là, donc, s'adresser aux animaleries n'est pas probablement la solution la plus judicieuse. Ou à un particulier, un élevage familial, tout ça, ça fait partie des possibilités. Attention aux animaux qui proviennent des animaleries. Ils transitent souvent par les pays de l'Est, et donc ils sont issus d'une consanguinité d'un autre monde, avec à l'issue plein de problématiques. Alors justement, on a évoqué les différentes maladies, les troubles du comportement de nos animaux. À quel moment la prévention doit arriver? Et quels sont les premiers soins? Eh bien, tout d'abord, il faut penser à vacciner son animal contre les maladies infectieuses, on en a parlé tout à l'heure. Il lui faut une bonne protection antiparasitaire externe, donc anti-puces, anti-tiques et aussi anti-moustiques, puisque la Corse est victime de la leishmaniose. Et puis, une bonne protection antiparasitaire interne, puisqu'ils ont souvent des vers et que cela constitue une zoonose, c'est-à-dire que potentiellement, on peut attraper les vers de son animal. Alors, est-ce qu'on adopte de plus en plus ? Moi, je pense qu'on a de plus en plus on voit dans notre pratique courante, hein, de plus en plus d'animaux qui sont adoptés, des animaux qui ont un passé qu'on ne connaît pas, mais on arrive, par contre, ce qui est très très important quand on adopte un animal, c'est de faire très rapidement une visite de façon à dépister tout ce qui pourrait ne pas aller. Parce qu'on peut rapidement se retrouver avec des problèmes un peu insurmontables. Oui, on adopte de plus en plus, mais bon, les modes sont toujours d'actualité. Donc, s'il faut tel ou tel chien à la mode, on ne va pas forcément se soucier qu'il y ait un être vivant derrière. Ce qu'on veut, après tout, c'est la mode. On a vaguement évoqué les bienfaits de ces animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour eux? On les soigne, ils nous soignent, mais qu'est-ce qu'ils apportent? Par exemple, chez les personnes âgées, chez les enfants, on parle de l'éducation, d'un éducateur à quatre pattes, on dit même. Ouais. Enfin, au début de votre reportage, qui était très intéressant, on a vu véritablement que le maître mot, c'était le lien social. Ouais. Donc, qui permettent de rythmer la vie des gens, des personnes âgées, de provoquer des rencontres. Et ça, c'est capital, hein, lorsqu'on voit souvent la solitude des gens qui vivent seuls avec leur animal. Chez les enfants, plus attirés par les chats ou les chiens, les enfants? Ils n'ont qu'une préférence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils développent leur psychologie. L'enfant voit en l'animal un refuge. Il va lui raconter ses déboires, ses bonheurs. On parle d'animal transitionnel. Et puis, il a aussi un effet miroir, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'enfant « Tu as vu, le chien, il faut qu'il mange, tu as vu, il faut que le chien, il faut le laver, il faut qu'il aille se faire vacciner. » Donc, il permet de responsabiliser l'enfant, de lui donner confiance en lui.
Alors, pour bien comprendre nos animaux, pour bien les soigner et les aimer, il y a des livres qui sont très intéressants. Il y a « Le comportement du chien » de Valérie Dramard aux éditions Ulmer. Et puis « Décoder le langage de votre chat et chien » toujours par le même auteur aux éditions Rustica. Ils sont très intéressants, ces livres, je vous les conseille d'ailleurs. Ah, vous devez savoir vous comment. Vous allez nous les offrir peut-être. Oui. Et puis nous avons le chaton thérapie qui est aux éditions Rustica également. C'est des livres très intéressants qui éclairent, donc qui nous donnent les clés de savoir comment on doit se comporter avec nos animaux de compagnie. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir ces livres dans notre bibliothèque? Oui, oui. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut... c'est important de se renseigner sur l'animal et sur les codes liés à son espèce. Alors en conclusion, quel conseil donnez-vous à ceux qui veulent adopter un animal? Déjà, la première chose, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, il faut savoir quand on adopte un animal, qu'un animal, s'il est jeune, peut vivre 15 ans. Donc automatiquement, il faudra pouvoir faire face. Donc ça doit être un acte réfléchi. Ça, c'est la première chose. Oui. Moi, j'ai, la semaine dernière, un SDF qui est venu me voir, d'origine étrangère, et qui est venu me demander des conseils pour une future adoption. Et je félicite ce monsieur parce que tout le monde n'a pas toujours cette démarche. En tout cas, c'est très touchant. Voilà, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Très bonne soirée et à très bientôt.